Alors bonjour à tous, c'est Léa et aujourd'hui je suis là pour vous présenter le Fit Foot, donc une nouvelle pratique diversifiée dans le cadre du foot loisir et nous allons vous présenter une séance type senior. Commencer par l'échauffement articulaire des pieds à la tête. Premier exercice d'échauffement, les chevilles. Dans un sens, puis dans l'autre. L'autre cheville. Dans l'autre sens. Ensuite, deuxième exercice d'échauffement, les genoux. Ensuite, les hanches. Rotation des hanches dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, rotation du buste sans aller chercher trop loin, de gauche à droite. Le regard qui suit le mouvement. Et voilà, ensuite les épaules en avant, puis en arrière. En arrière. Échauffement des coudes. On rentre, on sort. Pas la peine d'aller très vite. Et pour finir, le cou. Donc on ne fait pas des rotations complètes sur le côté. Et pareil, le regard qui suit le mouvement. Nous passons maintenant à l'échauffement spécifique pour monter un petit peu le cardio. Et nous allons suivre trois exercices. Donc tout d'abord, nous allons trottiner avec le ballon dans les mains, bien sûr. On trottine, on souffle surtout. Ensuite, deuxième exercice d'échauffement spécifique, montée de genoux. Alors si vous voulez, vous pouvez toucher le ballon avec les genoux, mais si c'est trop compliqué, soit vous baissez le ballon, soit vous n'êtes pas obligé de le toucher. C'est bon. Ok, et pour finir, talons fesses. On touche les fesses avec les talons. Nous allons maintenant passer au corps de séance qui comprend un circuit de 5 exercices et ce circuit à reproduire 5 fois. Donc, premier exercice, jumping jack. Soit vous faites le jumping jack réellement ou, autre alternative, vous le faites au ralenti en marchant. Et plus simple encore, vous gardez votre ballon devant vous et on écarte simplement les jambes. Voilà.
Ok. Deuxième exercice du corps de séance, les squats. Alors, les pieds à la largeur des épaules et le ballon devant vous. Deuxième exercice, des fentes avant. Donc, deux alternatives. Le ballon en l'air ou le ballon devant vous. Selon la difficulté, vous réduisez votre écart de jambes. On va passer au quatrième exercice du corps de séance. Il s'agit de fente latérale. Alors, le ballon, peu importe la main, on changera dans tous les cas. Et en fait, nous allons réaliser la fente latérale. Et au moment où je carte ma jambe, je tape le ballon. Comme ceci. J'écarte, je tape. J'écarte, je tape. Hop, j'accélère un petit peu. Hop, dans l'autre côté. Donc, j'écarte, je tape. Faire l'inverse, c'est le ballon qui vient taper dans la main. J'écarte, je tape avec le ballon et pas avec ma main. Ça sera le dernier du circuit. Je répète que nous allons réaliser 5 fois. Dernier exercice, petit pas en avant, marche arrière. Donc avec le ballon dans les mains. 1, 2, 3, 4 et je repars en marchant. Je recommence. 1, 2, 3, 4 et je repars en marchant. On peut aller plus vite, mais surtout on repart en marchant. Plus vite, je repars en marchant.
Après avoir réalisé notre circuit 5 fois, nous allons maintenant passer aux étirements. On va étirer les épaules. Donc, la main sur le coude et on tire doucement. Doucement. Ensuite, l'autre bras. Voilà, dessous et je tire. Ma tête est dans le mouvement de mon bras. L'autre côté. Étirement des quadriceps. Rester en équilibre, je fixe un point. On se penche un petit peu en avant et si on peut, on va chercher son pied. L'autre jambe. Nous avons terminé notre séance de fit foot. Le district Marne vous remercie de nous avoir accompagnés sur cette séance qui risque de se développer. Et on se retrouve bientôt. Au revoir!